Une démarche participative a été proposée en fin d'année aux riverains de Souston-Plage. Ils ont aidé les employés municipaux à mettre en terre des arbres pour reboiser les espaces verts mis à mal par les tempêtes récentes. Retour en image sur cette sympathique initiative citoyenne. Alors, la première phase sur le secteur de Souston-Plage a été une phase de communication auprès de la population de Souston-Plage sur une réunion publique qui a permis d'expliquer dans un premier temps toutes les démarches de la commune par rapport à une coupe de sécurité, un renouvellement des arbres de port assez important sur le secteur de Souston-Plage. De plus, ces arbres avaient environ 70 ans. Et certains étaient présentés vraiment un caractère de vraiment très dangereux vis-à-vis des habitations qui étaient vraiment très proches. Après, on relevait un diagnostic de tous ces sujets. La première opération a lieu en début d'année, courant février, où on a fait sur ce secteur la première phase d'abattage des arbres dangereux, si on peut dire, où on a coupé à peu près 280 arbres. Et aujourd'hui, deuxième phase, où on a fait appel à la population pour une action citoyenne, de manière à pouvoir faire le renouvellement de ces arbres. Donc aujourd'hui, on a à peu près 35 sujets qui vont être plantés, sachant qu'on reste toujours sur une essence locale, où on va avoir du chêne pédonculé, du chêne liège et bien sûr du pin maritime. On a privilégié les essences plantées de haut port, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui des essences de 8-10, donc qui font à peu près 2 mètres de haut. Et à côté, sur un secteur qui va être un peu plus forestier ou un peu plus sauvage, si on peut dire, on va planter environ 150 pins qui font environ 40 cm. Là où on a fait quand même attention par rapport à toute cette phase de plantation, c'est qu'on fait attention à l'usage des sites. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les essences qui vont être plantées sont plantées en relation à l'usage des sites. Ces essences-là, ce sont des essences qu'on peut arriver à travailler ou qu'on peut arriver à limiter en hauteur. Donc, si par cas, on est encore sur des catastrophes comme on a eu dans les années précédentes, ces arbres-là ne poseront pas de dégâts comme les pins qu'on peut avoir autour avaient vraiment posé problème. On arrive à maîtriser la croissance, donc c'est très intéressant, surtout à l'approche près des habitations et compagnie. Donc, les jardiniers des services techniques de la ville de Souston, donc vous s'occuperont de ça, et plus particulièrement, ils sont associés avec nous aujourd'hui. Donc je pense que ça doit vraiment, c'est quelque chose qui leur portait à cœur, de replanter des essences, où ils ont de l'entretien, où ils verront vraiment l'évolution de ces arbres. Alors les pins, on ira, oui, mais il aurait peut-être mis des pins, mais les pins, je pense que les pins près des habitations, c'est vraiment, faut pas y penser, c'est trop dangereux. C'est Philippe Dauby, une entreprise de reboisement forestier et compagnie de Souston qui nous a fait cadeau de ces pins. Ce qu'on peut souhaiter, c'est que dans le futur, on soit obligé de nouveau à refaire des opérations similaires, car il reste pas mal de pins anciens ici dans ce coin, avenue des Conquillots, et que ben, quand on est juste près des villages vacances, on s'aperçoit qu'il y a des pins qui sont encore dangereux. Donc il faudra prévoir dans le futur d'autres opérations. Quand on les a conviés donc, à la réunion publique qu'il y a eu dans le début d'année, tous ces gens-là, on leur a dit voilà, ben, on va faire une opération, mais après on va vous associer au reboisement, à replantation et compagnie. Donc ils ont tous dit oui. Et à ce jour, ben, vous pouvez voir derrière un petit peu, ils sont tous là. C'est un temps un petit peu incertain. Bon, on a de la chance, il ne pleut plus, mais ce matin il pleuvait. Voilà, donc moi je pense que c'est très courageux de leur part qu'ils sont venus aujourd'hui. Aujourd'hui, on est sur, comme on vient de l'expliquer, une phase citoyenne sur une phase de plantation. Mais à côté de ça, la municipalité a mis en place également d'autres campagnes. Donc sur le secteur de Souston-Plage, comme sur le secteur de Souston également, on a des campagnes d'élagage en régie qui font suite à un diagnostic où on priorise différents secteurs. Il y a également une campagne d'abattage en régie, toujours par la commune, d'arbres dangereux qui sont soit déracinés, ce qu'on dit ici vulgairement dématés, ou encore des arbres morts.